Salut YouTube, on est au plateau Altus. On n'a pas trouvé Yeta, mais on a trouvé des amis. C'est tout ce qui compte. Je sais pas ce que je raconte. En fait, il faudrait qu'on aille choper la carte, non? Overwatch, mais je suis très nul à ce jeu-là. Par contre, le lore est sympa. Blizzard avait fait des courts-métrages pour présenter le perso qui était fort quali. Ouais, les courts-métrages de Blizzard étaient très très quali. Extrêmement quali. J'avoue. J'avais beaucoup aimé aussi. J'avais liké à l'époque. Non mais j'étais à fond, je suivais les persos et tout. Hein. J'y jouais longtemps Overwatch, j'étais pas dégueulasse en plus. Morte la chèvre. Derrière FPS auquel j'étais pas dégueulasse. T'es qui toi? Je crois que t'étais un PNJ mais t'es pas un PNJ. T'es juste là pour me ruiner la vie. Okay. Bon ça a pas l'air très sympa ici en vrai. Montre! Elle est où ta caverne? Bah elle est en dessous en fait, là-bas. Bon ok, j'y vais. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de caverne en vrai. T'as des clés... Les clés lames de pierre là, je dois en avoir 12 000. En vrai, il me manque un peu les diablotins des cavernes. C'est faux. C'est faux, c'est les pires mobs. Je peux... Catacombe des aberrations, tiens. Hop là. Catacombe du chat Twitch. Pas de lumière. Lumos. Oh ça va, si c'est eux ça va. On fait mal. L'avantage c'est qu'en fait on aurait dû être dans cette zone beaucoup plus tôt je pense, et là on fait très mal. Heureusement que le saignement ça cancel. Quelle bande de menteurs. Sauter là, re-sauter en bas. On va y penser. Aïe! Y a pas de mur. De toute façon, c'est sûr. Hein. Tu es lienche. Menteur droit devant. Tous des menteurs de toute façon les messages. Je les lis de temps en temps mais c'est tous des menteurs. Il y a plein de trucs dans les contrebas, j'ai envie de sauter. Mais je sais pas si c'est le bon plan. Elle pue à mort cette zone, cette salle. Qu'est-ce qu'elle pue ? Y a pas d'effigie de Marika. Marrant ça.
Il me semblait bien qu'il y en avait un qui sautait. Oh, c'est toi en plus. Bon, on se voit plus tard. J'ai un peu envie de jump là en vrai. Je vais jump à l'autre qui est plus haut. Est-ce qu'il y aura deux boss dans le boss? S'il y a deux boss dans le boss... Voilà, j'ai déjà la flemme. J'ai battu Astrid. On va essayer de faire autre chose. Je peux faire ça là? C'est non. Bouger les amis. Mes chips préférés, moi, c'est les creamy onion là. Enfin non, j'ai acheté des chips comment elle s'appelait? Enfin comment elle s'appelle toujours? C'est pas du tout les creamy onion, c'est des ailes fines herbes. Putain, comment elle s'appelle? C'est la marque de chips là, un peu bio et tout. Putain, les Tyrell. Les Tyrell Aïe Fines Herbes là. Masterclass. Je sais pas comment me sortir de cette situation. Comme ça. J'ai quasiment tué en plus. Ok. Je me suis sorti de la situation. Ah, en fait, je suis retombé là où j'étais. Oh, la Master Chias. Oh, la Master Chias, quoi. Il faut tomber là, du coup. Qui dort ? Les chips au wasabi? J'ai jamais goûté le wasabi tout quoi. Chips au wasabi, je sais plus. Ça me dit quelque chose des chips au wasabi, j'ai peut-être déjà goûté. Bon après, c'est juste de la moutarde un peu forte le wasabi, non? Caboche causante, pardon. Let's go. Le boss? Ça vous dit? Ça vous dit pas, c'est pareil. Hein. C'est quoi le boss? Ils sont deux. J'ai plus envie de jouer. Oh, c'est vraiment chiant en plus. Oh. Je l'avais quasiment fumé, Patricia. Putain, c'est une chimère et Patricia en même temps. Oh, ça va être long. Oh. Oh, c'est nul à chier. Oh, c'est beaucoup trop long. Pourquoi y a pas... Pourquoi c'est toujours dans les trucs les plus merdiques qu'il n'y a pas de, de moyen de... Je suis mort. Je suis pas mort. Y a pas de truc plus simple. C'est Patricia, ouais. Elle s'appelle pas Patricia? C'est la parfumeuse Patricia? C'est marqué. Du coup, les chips au wasabi, c'était un peu bon ou pas?
Elle est morte, Patricia, très bien. Ok, il n'y a plus qu'elle. La masterclass. Let's go. Je pense que je lui fais beaucoup de dégâts. Problème, elle m'en fait beaucoup aussi. Bon, Patricia, on peut la one-shot du départ, donc c'est cool. Elle est là pour être là, quoi. Même toucher les yeux après avoir mangé des chips au wasabi, mec. Chacun son kink. Y a pas de jugement ici. Tu seras pas du tout jugé sur ça, mec. Si ça te fait plaisir, pas de problème. Hein. Moi qui suis-je pour te juger? Personne. La texture du chips, le goût. Chips, ça picote un peu, le goût de wasabi est pas ouf. Ouais, bon. C'est comme les chips barbecue, quoi. C'est là pour avoir le nom, mais en vrai, c'est pas si ouf. Hein. En vrai, on le tape fort. Aïe! Ah d'accord, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit au bonheur. Merci. Merci de me confirmer ce que je savais déjà. Je vais pas enlever tant de vie que ça en fait. J'ai voulu grid, j'ai voulu la taper fort. Je tiens à m'excuser. C'est bon. T'en prendre de vrais chips, c'est coller du vrai wasabi. Bah je pense, hein, ouais, tu prends tes chips et... Oh, on a Patricia. On peut invoquer Patricia. Oui, t'en prendre des vrais chips et les tremper dans du wasabi, non? Enfin, c'est ce que je me dis. Après, le wasabi, c'est simple à trouver en France ou pas? Étant donné que j'en achète jamais, je sais pas, hein. Attendez, j'ai deux questions. Ouais, voilà, ok. Alios répond à ma deuxième question. Parce que ma première question, c'était 1. Est-ce que le wasabi, ça se trouve en France? Ok. Et du coup, si la réponse à ça, c'est oui, ça se trouve en France. Mais est-ce que c'est le même wasabi qu'en Asie, quoi? Ou c'est le genre du wasabi fait pour les Occidentaux qui ont un petit sexe et du coup, il est beaucoup moins fort? La pâte de wasabi est très fort, oui, en tube ou en pône. Tu prends la poudre, tu mets ça sur des chips réchauffés. Oh, mais c'est dégueulasse, quoi. C'est comme si tu me disais à ton cacao, là, arrête d'acheter du lait, mets du lait en poudre. Je te dirais, bah bro, pourquoi? Pourquoi faire ça, en fait? Oh, les ruines des parfumeurs, là. Mais du coup, en fait, ils font juste popper des trucs. Et comment tu ferais pour les utiliser? Faut le déshydrater. Ouais, mais du coup, Oui, c'est vrai. Mais du coup, une sauce toute faite de wasabi, genre, ça existe pas? Un peu comme on pourrait acheter de la moutarde? Vous voyez ce que je veux dire? La poudre chocolatère. Ah ouais. Ennemi fort. Pas d'ennemi fort là-dedans. Oh, ennemi. T'es qui toi? Je suis père Jean-Michel, je crache du feu. Hein. Wasabi Refort des sushis dans le commerce. Je sais pas ce que c'est le wasabi Refort, c'est quoi du coup? Ok. J'ai voulu le grid, je m'excuse. Mieux pour ton usage, c'est de prendre de la poudre. Je vais peut-être essayer de la poudre, hein, du coup. Et du coup, la poudre, tu la réhydrates? Enfin, la poudre pour en faire une sauce, genre juste tu la mélanges avec de l'eau ou faut en faire autre chose? Réfort, c'est une racine des blancs européens. C'est un goût épicé de la moutarde. Ok.
J'y connais rien moi en tout ça. Je pense que c'est lui l'ennemi fort. Je pense aussi, mais en vrai il est pas si fort. Je suis où là? Comment ça se fait qu'ils m'ont fait ripoper ici? Alors que c'est là où je voulais aller. Ils sont pas bien les ennemis. On refait. Si tu veux mettre sur des chips, prends la poudre. Ouais. Je sais pas, hein. Moi, la poudre, ça fait tousser. J'ai l'impression que c'est le boss de la dernière fois, ça. Oh, il a pas de vie, ça va. On va être patient et on va le fumer. Voilà. Robe de tueur de réprouvé. Pas mal. Tu manges la poudre avec de l'huile de massage et tu frictionnes le dos. Hein? Tu te frictionnes le dos avec du wasabi? Ouais, moi je voulais le manger, et là vous êtes en train de parler de massage. Attendez, à quel moment ça a vrillé? À quel moment on a vrillé, Alios? À quel moment t'as voulu me masser le dos, Alios? Ah, bon, on peut discuter avant. Je sais pas, on se fait un date ou un truc comme ça. Mets de l'eau dans ton bain et tu ouvres les yeux sous l'eau. Alors non. Ça, non. Je mets du wasabi dans l'eau de mon bain, et après, je me bois un bain dedans, et après, je vends l'eau de mon bain. Qu'est-ce que vous en dites? Oh, c'est un vieux coffre à la Dark Souls, ça. Qui veut acheter l'eau de mon bain, là? Si je fais du merch un jour. Vous voulez l'eau de mon bain ou pas? Pas cher, hein. Je vous le fais pas cher. Pour les premiers, c'est pas cher. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait la grosse plante. Je prépare juste les cocktails, j'ai dit. Mais c'est toi qui es parti en massage, là. Eddie, il part juste un cocktail. C'est facile, ça, de dire des trucs et puis après de dire « Ah non, j'ai jamais dit ça. » Tu veux faire des massages au wasabi? J'ai vu, hein. Une masse de flacons de parfum, là. Il n'y a pas de caveau souterrain. Attendez, ça me trigger. C'est un faux message. Il dit caveau souterrain, mais en fait, il n'y a pas de caveau souterrain, c'est ça? En train de me mentir. Dans ma vie, j'ai vu un menteur. J'ai 32 ans, j'ai été trigger récemment. Trigger récemment par le wasabi. Je comprends. Très politique comme technique, le fait de dire ouais, j'ai dit quelque chose et ouais, je comprends. Je comprends, Alio, c'est une très bonne technique, ça. Dire quelque chose et dire derrière, j'ai jamais dit ça. Ça, on connaît, ça. Ça, on connaît, hein, bien sûr. N'oubliez pas, hein, pour les législatives, n'oubliez pas. La mousse des cavernes, mais y a rien d'autre. Y a rien en fait ici. C'est vraiment, c'est.
Il y avait le caveau quoi, mais c'est tout. Je cherche à tout prix un caveau qui n'existe pas, je pense. Putain, mais il est que 22h49, j'ai l'impression qu'il est déjà minuit. Je suis rincé. Bon, je sais pas pourquoi je continue de fouiller ici, y a rien. On peut se faire un massage au wasabi. Oui, bah moi aussi, ouais. Des fois aussi, j'utilise le on, ouais. Genre, viens, on va boire un verre. Viens, on rentre chez moi. Viens, on va dans ma chambre. Moi aussi, des fois, j'utilise le on, Alios. Hein. Y a pas de souci, hein. Moi aussi, des fois, le on est utilisé. Je mets du wasabi dans les yeux, ouais, voilà, exactement. T'es mort? T'es pas mort. Mais t'es un ennemi, donc t'es mort. Faudrait que j'aille chercher la carte, en fait. Il y a une grotte là-bas, c'est vu. Vous croyez que je verrai pas la grotte, mais je l'ai vue. Il y a un objet là, surtout. Luciole dorée. Let's go. Let's go, let's go. Le sidekick de Squeezie, j'ai récupéré. J'ai un cousin qui se marie dans 2 mois. Ça me fait baiser sur mes choix de vie ces 2 derniers jours. De quoi qu'il se marie, du coup? Moi, j'ai beaucoup de mes potes là qui commencent à avoir des enfants. Sachez que ça me fait une pression sociale énorme. Sachez que je me sens oppressé socialement. Donc je te comprends, Alios. C'est en province, c'est pour ça que tu stresses. Je comprends, la province, ça fait peur en vrai. Oh, une autre caverne, let's go. En province, vous êtes des hâtifs. Oh, super. Dit le mec qui habite à Paris. Et qui te passe sa vie à courir dans le métro. On est pas des hâtifs en province. Profite de la vie. C'est vous qui êtes toujours en train de courir. T'as pas de pression, t'as déjà 2 enfants. Ça, c'est bien vrai, ça. Attendez, quoi? Je préfère... Ça, c'est ben vrai, ce que tu dis, là. Oh, ça va être encore un truc avec que des murs invisibles. Bonsoir. On peut sauter là. Moi je dis que ça saute hein. Comme le ramadan hein. Je cours dans le métro mais j'ai pas des gosses à 17 ans, c'est vrai. Même pour les potes qui ont des enfants qui se marient. Puis à moi c'est un job célibataire chez mes parents pour le moment, je me déteste. Non mais ça, c'est des choses qui peuvent changer. C'est des choses qui peuvent changer, Midov. Les choses une par une. C'est des choses sur lesquelles tu peux avoir un impact et que tu peux changer ça, Midov. En plus, t'es jeune, t'as même pas 30 ans. T'as quoi, 27, c'est ça? Un truc comme ça, Midova? Bon, t'es large. Hein. Une question de conviction. Si tu crois en ce que tu fais. C'est à moi que tu parles, Alios? Est-ce que je crois en ce que je fais? Moi, perso, non. Ça dépend des jours, quoi. Je dirais que 6 jours sur 10, non? 27, Midoba, c'est bon, t'as la vie devant toi. Je comprends que t'aimes peut-être pas la situation dans laquelle t'es maintenant. Ça, c'est totalement compréhensible. Mais en vrai, ça peut bouger, quoi. Ça va bouger, d'ailleurs. Pourquoi il y a la moitié de l'armée du salut, là, qui me court après? À te parler à Midoba, ok. Excusez-moi. Je voulais pas vous déranger. Le mec, il prend super mal pour aucune raison. Oh, il y a plein de coffres, prends cœur. Donne des trucs. Une patte de volaille en saumure argentée. Enfin, 5 même.
Une capuche noire. Un bouclier de candélabre. Un papillon naissant. Énorme. Meilleur pote, c'est un streamer qui refuse de jouer à mes jeux préférés. C'est moi ton meilleur pote? Oh, j'espère pas, Alios, hein, sinon c'est triste. Hein. Oh, j'espère pas. Hein. J'espère que vous avez de meilleurs potes que moi, surtout. Hein. Parce que moi, je suis pas ouf comme pote. Hein. Et puis, est-ce qu'on est vraiment potes, en vrai? On se connaît pas. Hein. C'est-à-dire que moi, je vous aime bien. Vous, vous devez m'aimer un peu bien si vous êtes là. Mais est-ce qu'on est vraiment amis? Je crois pas. Hein. On s'est jamais vu. Est-ce qu'on peut se définir comme pote ou ami? Je crois pas. Hein. On a une relation commerciale, c'est tout. Hein. En vrai. Aïe. Un peu mal. Hein. Je vais me faire Ached. Jeanne Ached. Je me fais Ached! Je sais pas comment je me suis pas pris ce coup. J'ai envie de le battre une deuxième fois. Merci. J'ai sage de bourreau. J'étais trop chez toi, j'espère que je suis ton meilleur pote. Ouais, non mais évidemment. Moi, je vous le dis en tout cas, plus vous me donnez d'argent, plus vous êtes mon ami. Ah, la réflexion horrible. Évidemment, ça c'est sûr. Hein. Plus j'ai d'argent, plus vous êtes mon ami. Hein. Ça c'est évident. Hein. Comme dit le moine dans Stargate, aujourd'hui le début du voyage. Y a pas de lien pour les donations, dommage. Non mais... C'est pas le premier à me dire ça, Alios. Vous voulez à tout prix, tant que ça, donner des donations aux streamers? Après, c'est vrai que j'avoue que Twitch, j'en bouffe pas mal, quoi. Mais en vrai, genre les subs, les bits et tout, c'est cool, ça fait des interactions avec le stream, non? Les cerfs de rapace. Puis ça vous permet d'avoir des emotes ou des trucs comme ça, c'est quand même bien, non? Plutôt que de me donner de l'argent directement. Qui servira à rien, à part à m'acheter une voiture. Lamborghini neuve. Ah, c'est ton emote ça, Lios, le docteur Bébert. Hein. C'est grâce à toi. Merci pour les travaux. Comme diraient les jeunes. J'ai eu serpe de rapace, j'ai un feu et pouvoir. Non, malheureusement, non. Pas de cerf, c'est les trucs qu'on les rapace au pied, là. Ouais, du coup, on est en bas de là où on était en haut. Vous avez pas compris? Je me comprends, vous inquiétez pas. Putain, c'est un prank sans fin, ce donjon. Une noire de rapace. Masque squelettique. Ah. Non. Merci, non. A plus. Il y en a deux, mais est-ce qu'elles mènent à la même pièce? Attention, ennemi fort. Bah évidemment, oui, c'est un boss. J'espère bien qu'il est fort. On va aller là. Tant que bon pote est sur ce stream, j'espère que Bastien a pu pécho hier. J'espère aussi, hein. Après, est-ce que c'était hier? Parce qu'en vrai, il allait à Paris, non? Peut-être que c'est ce week-end. Donc je sais pas, hein. J'ai hâte qu'il revienne pour lui poser la question. Gary! Gary, tu vas prendre cher. C'est quoi ça? C'est Gary, Gary, il a des potes chelous, là. Voilà. Aïe. Gary, il me met un coup de fléau, là. Calme-toi, Gary. Oh non, il a réinvoqué des trucs.
T'es mort, Gary. Ah! Ok. La tête du clan. C'était pas le vrai boss, Gary, non? Y'a un autre boss en dessous? C'est pas la même salle? Ah, parce qu'il était plus bas. Bon, attendez, je suis perdu. Hein. Y'a un autre boss, hein. Soit comme un rock. Soit Dwayne Johnson, en fait. C'est juste Dwayne Johnson, en fait. Soyez des craquitos. Craquito Dwayne Johnson, hein. Soyez comme The Rock. Ouais, y'a un autre boss. Y'a deux boss. Deuxième boss. Il est où? Il est pas là, je repars. Hein. Ah, d'accord, il est invisible. Super. Pourquoi l'ennemi il est invisible? Oh c'est chiant. Renforce les attaques sautées, c'est pas mal ça. Ça va être chiant non? En vrai. Parce que là on rigole mais ça va juste être chiant en fait. Est-ce que ça passe de sauter là? Moi je dis que oui. Vingt mille âmes. Changé pour un Allemagne in France, je veux dire. Avant les noms c'était Margit, Melina, Renal. Non c'est Lionel, Gary, Astrid. Et c'est leur nom, c'est marqué dessus. J'y peux rien. Ah faut vraiment courir jusqu'au bout là pour aller chez eux. C'est chiant hein. Tout ça pour se faire fumer par un mec invisible. Bon, attache, j'ai plus besoin de me soucier des âmes, quoi. Non, mais attendez, mais il y a un raccourci, c'est sûr. Genre, si je fais ça, regardez. C'est non. Ah, mais c'est long de descendre tout, faut faire tout le tour. Ça fait deux mini-donjons, là, y a pas. J'ai compris, je descends. Bon, c'est Patricia, c'est Gary, c'est tout le monde là, ils sont chiants. Hein. Garou, c'est Garou. J'ai battu Garou. Vraiment courir tout ça là. Pas l'enfer. Hein. Oh, c'est long à faire, hein. Ça pour se faire one shot parce qu'en plus il m'a mis une chope le bâtard. Il est où? Je sais pas où il est. Il est là-bas. Comment on le bat en fait? Il m'one shot à chaque fois? Quelle est cette hérésie? Moi je veux bien qu'il m'one shot mais de manière normale. Là il fait une chope bizarre à chaque fois. C'est à dire que je peux pas le taper en fait jamais? Comment ça se passe? Moi je veux bien danser hein. Mais il veut pas. Merci, merci pour les cœurs sur moi mais... J'ai pas de cœur dont j'ai besoin là.
J'ai besoin... Oh. J'ai besoin de compréhension, j'ai besoin d'apprendre. Viens. Au revoir. J'ai besoin d'un one-up, j'en ai l'infini des one-up. Non, j'ai vraiment besoin de compréhension là, j'ai besoin de la soluce. Il y a ce trou de merde là à chaque fois en plus. Et comment on fait? En fait, je peux pas le taper. Il y a une astuce que j'ai pas compris, c'est pas possible. De te prendre la chope, esquive. J'essaye! Mais en fait, on le voit pas! Vous êtes marrant, vous, avec vos esquives. Cartelo, il y a des cercles, là. Merci, merci. Vous voulez la manette? Bande de noobs! Bande de gentils, vous voulez la manette? Ah, oh, mais il doit y avoir un système. C'est chaud, mais je pense qu'il faut regarder l'eau. Ouais. Ouais, moi aussi, je pense. Mais en fait, je sais pas. Hein. J'ai l'impression de regarder l'eau. En fait, même en regardant l'eau, quand je lui ai mis un coup, là, ça a pas marché. Tout à l'heure. Ça l'a pas tapé. C'est-à-dire que moi, je veux... Allez, bisous à tous, à demain. Attendez, ça marchera pas, faut que je passe par cette scène. Voilà, et je repasse là. Je suis fatigué. Ah, ça me fatigue. Lancer une attaque de foot dans l'eau, mec, c'est pas bête. Je sais que c'était du troll, hein, mais c'est pas bête. Hein. Je suis pas attaque de foot, malheureusement. Heureusement, pas d'attaque de foot sous la main, là. Il est pas si large que ça, ce saut, en plus. Hein. Oh, le bot Alios, là, il arrête. Ça le tape pas! Non, mais en fait, il doit y avoir une astuce. C'est obligé, mais je sais pas quoi. Y a rien qui le tape, en fait, quand il est invisible. Ça fait pareil tout à l'heure, quand j'ai essayé de le taper. Ça me dérangerait pas de try en boucle si j'avais pas 8 km de marche à faire à chaque fois. Alios le relou. Alios, le bot là, c'est bon. C'est la même vanne depuis 2018. Je connais, hein. Je t'aime bien, Alios, je crois en toi, tu peux faire mieux. Il y a Michel Leb qui a jamais évolué. C'est le Roland Magdan des viewers, Alios là. C'est un puits de connaissances sur son stream et ici il fait la même vanne pendant 3 ans. OMG, je vais tout casser. Heureusement qu'il m'a appris ce que c'était le wasabi. J'éteins ma lumière. Comment on le bat ?
Je vais éteindre toutes les lumières, d'accord. Aïe. Des fois, il me met des coups. Ok, donc déjà, il me one-shot pas, c'est bon signe. Où il est, je l'ai perdu de vue, mais je m'en doutais, Midoba, en vrai, je m'en doutais de ça. Je m'en doute. Juste, j'essaie de trouver dans l'arène comment faire, mais j'ai pas. En fait, j'ai peur que ce soit avec un équipement que j'ai récupéré avant. Ça me saoulerait. Mais c'est sûr qu'il y a une astuce, parce qu'on peut pas le taper quand il est invisible. Donc il doit y avoir une astuce, c'est sûr. Mais je l'ai pas, là. Pas en rapport avec cette salle avant. Faire un contrôle d'identité, non. Ça me pas. Pas chez Macron ici. En fait, ça me ramène juste au début de la caverne, d'accord. Ouais, donc non, je m'en fous. Oh, j'ai pas l'astuce, hein. Un truc à récupérer. Premier niveau, je t'assure, il n'y a pas question d'objet rare unique. Ok, donc c'est dans le truc. C'est le moment de objet précieux. Il y a pas un truc pour révéler les ennemis invisibles? Je sais pas, hein. Vraiment un truc à faire dans l'arène, du coup. Comme je sais pas quoi, on n'est pas plus avancé. Pas où il est, alors. Je sais pas. Du wasabi dans les yeux, vous pensez? Ça me paraît pas ouf, hein. Solution me paraît pas ouf. Si on connaît Dumbledore, Harry Potter donne la solution. Putain, mais... Midoba qui est en full backseat, là.
Je comprends rien donc. Donc let's go hein. Je me souviens plus ce qu'il disait Dumbledore. Tu es un Gryffondor, Harry. 50 points pour Gryffondor. Je vois pas le rapport. Hein. Vraiment, mis de bas, je vois pas le rapport. Hein. Ah, mais stop le backseat, je vais trouver. Ne vous inquiétez pas. Je vais trouver. J'ai la flemme, je me souviens plus des dialogues Dumbledore, donc... Je vais même pas essayer de réfléchir, je vais trouver. De toute façon, s'ils l'ont mis là, c'est que c'est trouvable. Je suis ton père, Harry. Quasiment sûr que Dumbledore a jamais dit ça. Évidemment. Évidemment que la dixième fois que je passe, il change son pattern. J'avais oublié ce détail dans les Souls. Tu es un sorcier, Harry. Qui veut obtenir la pierre, on peut pas l'utiliser pour obtenir la pierre. Personne veut me donner la solution là par terre? J'ai pas le temps de lire. Petit point cœur, bois. Peut-être boire hein. Peut-être boire hein. Je me suis encore fait ken. Oh, je sais pas. Faut utiliser un objet. Ça, on le tape pas. Fasse un truc, hein. Je sais pas, hein. Vous êtes en train de m'enlever tout mon mana. Vous m'enlevez mon mana. J'en ai déjà plus beaucoup. Vous êtes en train de me drainer de ma vie. Je sais pas, hein. Faut que j'enlève ma robe de chambre et que je me mette à poil. Je crois que Dumbledore, elle a jamais demandé ça. Hein. En tout cas, pas devant les caméras. Pourquoi je fais ça? OMG, il m'approche. J'ai l'impression d'être con. Parce que la solution doit pas être si dure. Mais j'ai l'impression d'être teubé. Ok, Alios qui allait dans Harry Potter Wiki, citation de Dumbledore là. Je sais pas, hein.
C'est le moment de objets précieux. C'est quoi l'objet précieux? Péter un boulon. Actuellement en train de péter un boulon. Je sais pas. Objet précieux, soit. Il demande d'utiliser un objet contre lui, ok, je veux bien. Je vois pas quel objet je pourrais utiliser en fait. En fait, s'il me touche, je suis mort. On peut le taper comme ça? Je vais le taper comme ça. Hein. Je sais pas où il est. Problématique. Il était devant moi! Mais il a la cape d'invisibilité d'Harry Potter! Je sais pas. Hein. Je crois que c'est la fin. Hein. Fin du live, là. Hein. Fin de live. Hein. Oh, mais on a bien vécu, en vrai. En vrai, c'est un beau live. On a battu Astrid en moins de 15 minutes. En vrai, on a pas besoin de plus. Hein. Moi, je pense. Hein. Je suis sûr qu'il y a un raccourci pour y aller, c'est pas possible que ce soit aussi long. C'est l'arme de Gary? Peut-être la masse de Gary qu'il faut utiliser? Ça marche pas. Écoutez, je sais pas. Donc laissez-moi tranquille. Il est con ? Je teste un truc. J'ai le high ground, Anakin. J'ai plus le high ground.
Qu'est-ce que j'ai pas compris? Pourquoi est-ce que je me rends en boucle contre un mob qui devrait être mort depuis 6 ans? Quel est le fuc? Pour voir, il faut garder les yeux ouverts, c'est bien vrai ça. Gilbert Montagné qui disait ça. C'était assez énorme. C'est assez énorme. Oh, je sais pas. Hein. Social. Un problème avec le social, hein. Alios. Deuxième fois que tu spams aujourd'hui. Alios, il a envie de spammer là. Oui, je vous dirais si je veux l'astuce, mais là je le veux pas. Juste. J'attends de sombrer dans une profonde et lente dépression pour pas trouver. Entre pas dans la grotte, l'ennemi ne peut pas t'attaquer. C'est très vrai ça. C'est très très vrai ça. C'est extrêmement vrai ce que vous dites. D'ici, il peut pas m'attaquer non plus. Ah. C'est très bien vu ça. Vas-y, viens! Il est où? Je vais le cheese. OMG, me cours après. Oh putain, presque. Non, tu peux pas le lock, évidemment. Tu ne peux pas le lock. C'est trop facile. Trop facile. Bon, écoutez, j'ai pas l'astuce, donc je vais le cheese, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, voilà, c'est pas le premier boss qu'on va... On va trouver une technique alternative. Faites pas ça chez vous, cette cascade est réalisée par un professionnel. Faute de pouvoir le faire sauter dans le vide, on trouve des trucs, quoi. Des petits trucs. C'était beau, hein, Nirla, je suis d'accord. Mais attends, mais ça va re-être beau, hein. Pourquoi c'était? Ça va l'être, hein. Pas de c'était ici, hein. Allez. Arrête. Bon. J'ai pas été capable. J'ai pas été capable. J'en étais sûr.
Comment ça se fait qu'il se superpose? C'est un enfer? Je regarde ça. Pourquoi il se superpose? Je vais voir tirer le joueur. Putain, quel enfer. Ah, oh, quel enfer. Sous terre, là. Je l'entends pas. Je vous déteste. Je vous déteste. J'entends rien. Je vais retirer le jouet, hein. Vous êtes en train de me bully, IRL. Vous êtes en train de me bully, là. Avec Dwagby. Vous utilisez Dwagby pour me bully. Bande de personnes méchantes. Allez, c'est 3 millions de Knickball, ouais, c'est ça. Hein. C'est le problème, hein. Actuellement en train de me bully. Et je parle pas du jeu développé par Rockstar. Putain, j'étais à deux doigts de le cheese et maintenant je peux plus le mac and cheese. Je comprends pas. On voit pourquoi avant on pouvait le cheese et puis maintenant. Je l'ai tapé, c'est bon. Putain, mais c'est abusé! Je vois pas ses attaques, ça me saoule, ça me saoule! Ça me saoule! J'étais venu sur tes streams en 2018 pour quelle raison? Pour accumuler une Knickball. Je sais pas. Hein. Je pense que t'es main to the breach. Et tu m'as vu seul pendant mon premier stream. Je savais pas quoi faire. J'ai dit je vais rester, il me fait pitié. Et voilà où on en est 2 ans plus tard. Toujours à 2 viewers. Enfin non, on a doublé nos viewers du coup. Avant il y avait que Alios. Maintenant on est 2. Énorme. Vous pensez que je vais arriver à le tuer en moins de 6 heures ou pas? J'ai des doutes là. Hein. Oh, ta grosse daronne! La grosse daronne au gars à la hache là. J'ai sextuplé mes viewers en. Putain, en 2 ans j'ai sextuplé mes viewers? Vous pensez que dans 2 ans j'aurais. J'aurais genre 4 viewers? Vous pensez? Ce serait énorme, hein. J'ose pas imaginer, mais ce serait énorme. Hein. Il est pas là. Il a fait un pas de côté, le bâtard. Excusez-moi, je vais commencer à insulter les darons tellement j'en peux plus de ce boss. Arrête! Arrête. J'ai pas les patterns, au secours. Arrête! Michel, tout le monde te déteste. OMG, il veut moins de shots. Il va le faire. Il l'a pas fait. Ok. Il est où? Je le vois pas. Pas grave. Oh, il est là. Vu.
Arrête. J'ai grid, j'aurais pas dû. Je suis en train de le payer cher. Ok, il est en train de taper des caisses. Let's go. Alors peut-être. Là. Arrête. Un par un les coups. Pour celui-là, j'aurais pas aimé le manger. Je sais pas où il est, je fais un gros tour. Et là. Je l'ai loupé. C'est trop chiant qu'ils se mettent pas les uns après les autres. Ça te pète un câble. Le quelle indignité sur Dwagby, quoi. Quelle indignité, vraiment. Il était à un coup. Je sais pas d'où il était. J'ai pas su dénier d'où il a popé. Quelle indignité, je suis d'accord avec vous. Pourquoi tu sautes pas, toi? Des fois il saute, des fois il saute pas. Pourquoi? Pourquoi la vie, en fait? C'est que 23h30? Oh, il m'a tellement saoulé, ce boss, j'ai l'impression que c'est 4h du mat. Sinon. Je me suis dit, il y a peut-être une supercherie quelque part, mais pas du tout. On est reparti, les amis? Le mac and cheese. Je vais mourir, je suis mort. Putain. Faut que j'arrête, c'est chiant. C'est chiant! Après, je pourrais trouver l'astuce legit, mais j'en ai rien à foutre. Je sais pas ce que c'est, donc voilà. Écoutez, let's go. Ah, vous sinon, tranquille, vous passez une bonne soirée? Moi, bof, hein. Ouais, c'était bien quand on fumait Astrid dans 20 minutes. Après, ils ont décidé de mettre un mob invisible dans une cave. Et là, là, la soirée a pris un tournant bizarre. Ah, c'est devenu chelou. Hein. L'ambiance est devenue bizarre, là. Il y a plein de trucs que j'ai pas essayé. C'est vrai qu'il y a plein de trucs que j'ai pas essayé, mais... Qu'est-ce que vous avez envie que j'essaye d'autre? Notamment l'astuce legit. Mais je l'ai pas l'astuce legit. Vraiment, je vois pas ce que c'est. Hein. Oh, Glicky 2. Comment ça se fait qu'il est déjà là? Dégage, toi. Je vois rien. Dégage. Il est où? Je peux pas aller... aller casser le cul à ta daronne, hein. Pardon, je commence à devenir vulgaire. Ah ouais, let's go. Let's go. Let's go.
Je suis en train de perdre ma santé mentale. C'est trop dur. J'ai pas la ref, hein. Et vous, vous avez la ref? Moi, je l'ai pas, hein. Ludoba, il a la ref, il a été checké. Moi, j'ai pas la ref. Venez, on joue à Dibou, c'est ressorti aujourd'hui. Oh, ta grosse daronne! Oh, vraiment. Fin de live. J'ai Sozorn, qui croit que t'es un ami. Je reconnais pas l'astuce. C'est vrai, c'est vrai. On pourrait tenter des trucs. J'arrive même plus à aller jusqu'au boss. YouTube, je m'en fous. Je te quitte pas sans que le boss soit mort, YouTube. Je peux pas te laisser comme ça, YouTube. Non, mais de manière cheesante, on peut y arriver. C'est juste que c'est un peu random, quoi. Parce que comme je le vois pas, je sais pas ce qu'il fait. C'est-à-dire que j'essaie de pré-shot où il est, mais ça marche une fois sur deux, quoi. En fait, essayer de pré-shot où il est, c'est bien. Quand il te court dessus, normalement, c'est plutôt safe. Le truc, c'est qu'il peut toujours faire un dash en arrière ou sur le côté derrière. Donc le timing, je le connais pas, quoi. C'est un peu de la chance. Quand je dis un peu de la chance, je veux dire c'est totalement de la chance. Donc voilà, quoi. Oh non. Oh, j'ai envie de m'ouvrir les veines. Ok. Je sais pas si je suis capable d'accomplir de grandes choses. Je suis pas sûr. Hein. Je pense que c'est chiant pour aller au boss, pourquoi? Normalement, t'es pas censé l'affronter 18 fois, Nirla, je pense. Non, mais vraiment! En fait, l'astuce évidente, je la vois pas, hein. C'est-à-dire que j'ai même pas, ne serait-ce que le début. D'une idée de l'astuce évidente. Regarde un best-of des morts les plus what the fuck. Mec, s'il te plaît, te moque pas de moi. La vie c'est assez dur comme ça, Loïc. OMG. Je veux crever, Loïc. Et de mourir. Vous faites que vous moquez! Vous êtes des moqueurs! Ça sert à rien de jouer au jeu.
c'est non. Je refuse. Il est où? Il est là-bas, vraiment? Non, c'est à goutte d'eau, ça. Oh. Ok. Donc, il faut affronter ses amis. Je peux pas affronter mes amis, j'en ai plus. Tout le monde me déteste. Dommage, hein. Tais-toi, toi. J'ai plus de bravoure, j'ai plus rien, j'ai plus de mana IRL. J'ai envie de tout claquer et partir aux Seychelles. Dis-moi un don pour désirer, ce qui aurait fait le plus de mal. Ah ouais? C'est vrai ça? On désire ce qui nous fait le plus de mal? C'est pour ça que j'adore manger épicé, mais qu'après, pendant 3 jours, j'ai des hémorroïdes? Ça a un lien avec ça ou pas? Le boss. Merci à toi. Laisse-moi partir! Merci. Je sais pas où il est. Il est où? Je suis un génie du crime. Aïe, je suis plus un génie du crime. Elle me court après. Le bâtard. Le bâtard. Ok. Oh, il est déjà là. Je sais pas où il est. Il est derrière moi, c'est bon. Saute! Saute pas! Arrête de sauter! Je sais pas où il est. Ah, c'est les problèmes, je sais pas où il est. Je retourne. Encore, pas après tout ce que j'ai fait. Pas comme ça. Je sais pas où il est. T'es où, bro? Il était déjà là. Pardon.
Il est déjà là. Il est déjà là, ça servait à rien de rester là, je le savais. Il a fait deux fois de suite le bâtard. Sous terre, place. J'en peux plus de Dogby. Je pensais pas dire ça un jour, mais j'en peux plus. Cours à Red Dumbledore dans Harry Gump. C'est ça l'astuce, c'est de courir. Ah, j'ai couru, j'ai tout fait. Alors peut-être rien du tout. C'est une astuce legit, merci. Sans déconner. Je sais pas ce que c'est l'astuce legit. Donc je peux pas l'utiliser en fait. C'est QFD hein. Impossible de savoir. Putain. Alios qui copie-colle tout Harry Potter là. Ça casse les burnes. Moi bon, j'ai voulu. J'ai voulu lui en mettre plein la gueule. Je suis mort parce que j'ai pas regardé. Je sais pas où il est du coup. Ça va vous? Il est là-bas. Du coup. Pourquoi vous voulez vous emmerder à avoir une astuce legit quand on peut faire ça? Ça sert à rien. Putain, il est venu sur mon caillou! Il est pas loin. Bois. Il est déjà là. Qu'est-ce qu'il fait là déjà? Je vais péter un boulon. Putain, mais il se déplace vite, il dash à travers toute la carte. Je vais péter un câble. Il fait son petit dash au moment où je le tape. Je vais tout casser hein. Sachez que j'ai actuellement en train de tout casser. Il est pas loin de moi ce bâtard. Okay. Il est pas loin. D'accord. Bah écoute bro, ravi de t'avoir connu. C'est cool en tout cas, change rien. Il est à mon cul, hein. Il veut mon fiac, hein. Je sais pas où il est. Ce qui veut dire qu'il est pas loin.
OMG, alors peut-être. Ça va vous? J'ai la cape d'Harry Potter. Merci, merci à tous. Du coup, c'était quoi l'astuce legit? Midoba, je suis curieux maintenant de savoir. Où la cape? Donne-moi la cape. C'est pas un vêtement? Esquive, fallait esquiver. Le guide good. Vous savez, on peut trouver le bonheur même dans les moments les plus sombres. Il suffit de se souvenir d'allumer la lumière. Alios, il a pété un câble. 1500 bits, Alios. Incroyable, merci beaucoup, Alios. Bah, incroyable, Alios, il a totalement pété un câble. Trop généreux de ta part, Alios, merci beaucoup. Tu régales. Je vais pouvoir m'acheter de la lumière, apparemment. Ça va être trop bien. On va... Mais elle est où, la cape? Par contre. En fait, c'est un objet. Je pense. C'est pour ça que je suis débile, non? C'est un truc à utiliser? C'est rien. C'était quoi? Il fallait équiper une torche dans une main et tu le voyais quand il était à portée. Du coup, c'est à chier. Parce que moi, j'avais ma lampe, là, depuis le début, qui était là. Regardez. J'ai ça. C'est ce qui me sert de torche. Du coup, je n'utilise plus de torche. Oh, l'astuce, c'était à chier. Oh, c'est From Software, vous abusez. Merci beaucoup, Alios, pour les 1500 bits. Une fois de plus, t'es totalement ma boulot, Alios. Merci. T'as le droit de spammer du dogby. Ah, c'est pour offrir ça... C'est pas autant de doigts que tu veux. Hein. Moi, vous savez, je suis quelqu'un de vénal. Par contre, elle est où la cape? Je vais péter un câble. Hein. J'ai pas regardé quel objet c'était. Je suis en train de péter un boulingue. C'est pas un talisman? Allez là. Dissimule le porteur aux yeux des ennemis éloignés lorsqu'il est accroupi. Je l'ai équipé, je voulais pas. Je suis désolé. Camoufle intégralement son porteur lorsqu'il est accroupi. On s'en bat les couilles. Hein. C'est quoi que j'ai enlevé? Je sais plus ce que j'avais d'équiper là. Au secours. Je sais plus. Ah si, c'était les coups successifs. Il faut que je le retrouve. Où il est. Voilà ça. Attaque successive. C'est bon, j'ai. C'est quoi l'indice qui t'amène à cette conclusion qu'il faut la torche? Juste ça au pif, je pense. Hein. Y a pas d'indice. Hein. J'y ai pensé à la torche en plus. Mais je me suis dit, mais non, mais j'ai mon truc à la ceinture là qui fait de la lumière, ça doit suffire. Du coup, pourquoi? C'était à chier. Hein. Peu d'intérêt, voir ses pas dans l'eau suffit. Et vous voulez jouer le jeu normal? Vous êtes des tarés. Vous, je suis sûr qu'en plus d'utiliser la torche pour ce combat, vous mettez des points en vigueur. Et taré YouTube. Des bisous.